Ça part déjà d'une rencontre assez improbable qui s'est passée en 2001 dans l'Adrar des Iforas au Nord Mali. Midi One, c'est une histoire qui est partie d'un excès de folie, d'envie d'aller voir ailleurs qu'on a eu quand on avait 22 balais, quoi. C'est-à-dire nous, on a un groupe de musique qui s'appelle Le Chauffeur est dans le Pré et on avait entendu de la musique qui venait du nord du Mali. Donc Desert Blues, toute l'arrivée des guitares électriques, un peu la musique traditionnelle. En 2003, on s'est dit, on va essayer de faire venir quatre musiciens avec lesquels on a partagé des bons moments et puis essayer de faire en France un projet musical avec deux musiques qui sont vraiment à l'opposé. On n'avait pas trop encore les codes, le langage commun. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que Moussa, Nina, Yaya et puis les années d'après Kelly sont venus en France et on a commencé à construire tout un répertoire d'un nouveau groupe de musique qui maintenant s'appelle Imidi Wen. Moi, je trouve ça comme amitié, ami, tu vois. Parce que quand ça a commencé, même au début, c'est arrivé comme ami, quoi. C'est une longue histoire de 15 années d'amitié. Et moi, là, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où chacun a vraiment sa place sur scène. Et ce n'était pas forcément le cas au départ. Au départ, c'était pas évident de s'entendre avec les chants Touareg et nos instruments... les cuivres et l'accordéon aussi. Et puis, au fur et à mesure des tournées, et ben, ça s'est mis en place. Plusieurs fois, on a fait plusieurs tournées ensemble et du coup il y a un vrai rapport d'amitié entre nous, quoi, entre les Touareg et nous, quoi. C'est une fusion maintenant. On a commencé par la musique, après l'amitié, après c'est des frères. Nous sommes un pays qui est pauvre aujourd'hui et dans l'insécurité,
il ne peut pas avoir de développement. Donc notre combat, c'est ça, c'est dire aux gens que voilà ce qui s'est passé, voilà notre histoire. Et nous voilà depuis 2001, nous voilà aujourd'hui 2015, voilà ce qui a changé de nos mentalités. Les ambassadeurs qui sont convaincus que dans la vie, rien ne vaut les relations humaines, le partage, l'amour, la solidarité. Et notre combat, c'est que ces histoires de guerre finissent pour le développement, pour notre intérêt. Parce que la communauté Touareg aujourd'hui, deux gens, on trouve des prétextes pour empêcher aux bonnes volontés d'aller. Aujourd'hui, on l'a. Parce que n'importe quelle personne qui veut aller aujourd'hui au nord, on leur dit que c'est la rébellion, c'est celle-là. La musique, c'est un bon moyen qui apporte les messages. C'est vraiment une manière de véhiculer les messages, de partager les messages avec l'extérieur.